Salut à tous, c'est Aptilis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play Sword, épisode 34, donc l'épisode 6 si je ne me trompe pas. Voilà, on utilise cœur d'en bleu de Pyra. On va faire du pain tropical, faire avancer le scénario. Ouais, juste pour nous dire que voilà, on peut cuisiner. Dans tous les types, il me semble, il y a feu, eau, vent, terre, lumière, ténèbres. Je m'en rappelle plus vraiment. À glace, c'est la glace. Ouais, Tora. Everyone has things they'd rather not talk about. Right? I'm sorry. I'm sure I'll be able to tell you about it soon enough. Don't worry about it. Right now, we need to think about how to rescue Nia. First, we go around town and find all information we can. Hmm. Yes, I dare say that we're all wanted criminals by this point. Pyra sticks out like a sword. Why so? So sorry. Don't worry, friends. Tora has an idea. Ah, est-ce que c'est là qu'il va nous parler de Poppy? Special Inquisitor Morag! To what do we owe this extreme pleasure? Had we but heard of your grace's visit, we could have prepared a suitable... I don't... stand on ceremony, Consul. I'd rather you just did your job. Your Grace? Someone of your standing deserves to be treated as such. You are His Majesty's representative. Please permit us to lay on a meal befitting Your Grace. Until then, we would be honored if... You made impressive time. I wasn't expecting you until tomorrow. Oh, Lady Bridget! If we have found the Aegis, then there is no time to waste. But I fear the passage has taken its toll on our engines. The Aegis? How do you... Is there a problem, Dougal? Not at all, Your Grace. Good. Now, you captured a driver from Torna. I am going to speak. Par contre, je sais pas ce que je... Pour l'instant, en tout cas, on me rappelle, j'avais fait le jeu, j'avais dans mon équipe Nia, Rex et Tora. Et... Peut-être Morag plus tard, ce serait cool. Yes, I would be angry too. You can drop the friendly act.
also sure I'd call those Trigger-Happy Tola goons friends. I see. I think we have our wires crossed here. I am not talking about Torna. Huh? You're not? No. I was referring to you who would recently... Ah, Rex and Pyra. The driver boy and his blade. Rex and Pyra. Well, that was easy. Damn it! Mais ça change à quoi qu'elles connaissent le nom de Rex et Pyra? Ça peut les aider à les trouver. Ouais, mignonne avec ça. En plus, ça les trucs comme d'oreilles, un petit peu comme les comme eux qui vivent à Gormoth. Là. Elle se fait passer en fait pour une vraie personne de Gormoth. Histoire principale, là, qui est une quête pour pouvoir avancer dans l'histoire principale qui est Sauvenia, donc je pense qu'on va devoir chercher de l'information. Torigo a obtenu quelques informations. Ok. Mais c'est quoi la logique qu'on peut juste fucking avoir un point de collecte dans la maison? Ok. Je crois qu'il faut sortir par ici. D'accord, genre la porte me pousse. Bon, comment je fais maintenant pour... J'adore cette musique. Surtout le jour. J'essaie de voir sans où. Bon, on te cachait. En tout cas, une chose est sûre, on va devoir retourner en ville. Ça, c'est sûr. Est-ce que la Frax savait que le recrutement de nouveaux pilotes est là-bas? Oui, j'en ai vu. Putain, j'ai pas eu le temps de dire. Frax va essayer lui aussi à 100% de chance de réussir. En pire, Daniel me recherche, tu te souviens? Je devrais plutôt faire profit bas. Frax n'a pas tort. T'auras trop curieux de savoir quelle lame Frax va éveiller. Pas besoin d'éveiller une autre lame, si. J'ai déjà pas erreur. Rex, ne me dis pas que tu pensais qu'un pilote ne peut se lier qu'à une seule lame. Ah, c'est pas le cas. Au contraire, la plupart des pilotes ont plusieurs lames. Bah, je crois pas qu'on voit vraiment de pilotes avec plusieurs lames dans le jeu, pourtant. À part que notre équipe. Non, que Nia n'est plus là, on risque de ne plus se débrouiller aussi bien que si Nia en main. Ce sera peut-être pas si une mauvaise idée que tu trouves une nouvelle lame. Une nouvelle lame fera de toi un combattant plus versatile après tout. Et puis comme ça, Pyra pourra souffler un peu de temps en temps. En tout cas, il a gagné en fait. C'est pareil, d'accord, je veux bien essayer. Aucune objection pour ma part. Plus on est de fou, plus on rit. Et décidé. La question est, où est-ce qu'on va pouvoir trouver un Stalker? J'ai la réponse. On est justement sur moi en préparation d'une occasion comme celle-ci. Mais où papy est en place pour cacher Stalker? La clé pour éveiller une lame et de faire résonner son Stalker avec toi. Quand sont toutes tes pensées sur Stalker au moment de la toucher? Et tente de visualiser le mieux possible la lame que tu vas éveiller. Je suis pas sûr d'avoir bien saisi, mais je vais essayer. Bonne chance, j'espère que tu vas éveiller une lame extraordinaire. T'en vois? Stalker vierge. Je sais pas si c'est possible d'avoir un rare en lui. Parce que je crois normalement, plus ta lame, tant que Stalker s'approche d'une lame rare ou légendaire, plus t'as des chances d'avoir des rares. Bon, on va voir la vidéo au moins, mais à part de ça, les lames, je vais pas faire. Mais je sais que c'est aléatoire un peu, mais par contre, je sais pas si tu peux avoir un rare. Mais pourquoi on fait ça en public? On veut faire profit bas, mais genre on fait ça comme ça? Genre vraiment devant tout le monde? Il ressemble un petit peu à lui que l'autre mec a eu, mais sauf lui, c'est des gants. Donc, Kojiro. Donc ça, je crois que ça doit être juste une couronne. Ah non, deux! Ah, et en plus, un soigneur de type vent. Ah! D'accord. Et il y a maîtrise de vent. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Ça nous dit un petit peu comment assigner des lames.
Cette dame a l'air d'avoir du potentiel. Bon, en tout cas, c'est mieux qu'avoir juste un de une couronne. Ce qui veut dire qu'on aurait peut-être pu avoir des rares. Peut-être. Mais t'auras toujours Plumage qui s'hérisse d'excitation quand il voit Pilote éveiller l'âme tellement cool. Arrête de me regarder comme ça, tu me mets mal à l'aise. Maintenant que notre groupe s'est agrandi, il est temps de partir à la recherche de Nia. Passe vite, Rex. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu améliorais un peu ta nouvelle lame avant toute chose, tu peux modifier, d'accord, ça explique comment... Vraiment, les cristals font vraiment la différence en combat. Je commence à comprendre. Non, entrons dans le vif du sujet. Cette échoppe lui permet de refiler le cœur auxiliaire. J'imagine que tu n'y as jamais intéressé avant de devenir pilote. C'est vrai, mais je suis toujours demandé à quoi il pouvait bien servir. Alors, on va voir ce qu'il ferait dans ce cas. Ah mais... Eh mais j'aimerais ça mettre au moins la lame. Faudrait d'abord que la lame soit dans mon équipe quand même. Le cœur auxiliaire semble l'outil parfait pour rendre une arme plus verte. En existe plein, peuvent améliorer la défense, aider à tatouiller insectes ou même la nuit. Chaque lame peut équilibrer un certain nombre de cristals auxiliaires. Je vois. Non, écoute bien ce que je vais te dire est important. Dans le les cœurs auxiliaires qu'on trouve sont vierges, ils ne sont aucune utile aux lames. Ah, et comment je vais remédier à ça? Ah, je vois. Alors c'est Scrub qui rend le cœur auxiliaire utilisable. Tu comprends vite. Tout juste cet engin imprègne le cœur des auxiliaires vierges avec les matériaux qui tu fournes. Ou critique. Extrait que surtout essaye de pas passer à un endroit où papy a gardé cœur auxiliaire tout ce temps-là. Ouais. Ah, il ne te servira à rien sans matériaux, tiens. Mais papy avait vrai butin caché là-dedans. T'as joué, Rex. D'accord. Et après ça, parti à la recherche de Nia. Du coup, D'accord, faut que je donne des trucs. Je peux augmenter le taux critique de 12. Je vais donner des trucs que je crois pas que j'aurai besoin plus tard. Voilà. Donc, je vais donner ça. Et voilà, j'ai le coup critique comme ça. Voilà, maintenant je peux équiper ma lame. Bon, voilà. Du coup, personnage, Rex. Hop. Et le deuxième emplacement, je vais mettre Kojiro. Voilà. Par contre, je peux pas en mettre une troisième pour le moment, je crois que je vais devoir attendre plus tard. Du coup, je vais regarder, donc, je peux améliorer un petit peu... Je vais améliorer frappe... Ouais, je... frappe roulée. Allez, j'améliore frappe roulée. Et lui, qu'est-ce qu'il y a, lui? Augmente les dégâts infligés derrière 50. Ok, donc... 120 de pouvoir à la base, mais c'est 140. Ok, ça c'est fort. Ok, ça fait apparaître une fiole. En faisant des dégâts en plus, c'est ça, la ratio de dégâts. Ça, c'est fort. Ouais, je crois que je vais laisser ces attaques-là de base. Et. Ah non, j'ai pas encore assez de PC pour pouvoir avoir ce truc. Ah non, je peux du coup donner un autre équipement à Rex. Plus d'excitérité. Manque de soins reçus de 14%, mais. Ok, par contre, les fioles ça compte pas. Non, je peux augmenter ma force. Je peux augmenter mes PV max. Ah non, je les ai déjà, je l'ai déjà. Du coup, je vais augmenter ma force. Voilà. Du coup, lui, comment je fais pour l'améliorer? D'accord, faut que je me barre encore un petit peu, vu que lui, je peux toujours pas. Ah, je peux améliorer ma lame. Non, Paira, je peux toujours pas. Mais je pouvais lui donner... Ok, ça baisse un petit peu la garde, mais le coup critique et l'auto-attaque est plus forte. Je vais lui donner ça. Épée d'Urana. Et lui, c'est la même chose. Allez. Voilà. On est peut-être un petit peu mieux comme ça. Voilà, j'ai pris un petit peu de temps juste pour les trucs de là, donc du coup on va essayer de... Ouais, je crois pas qu'il va se passer grand chose dans la vidéo. Ah, oh! Attends, tu t'es en train de me dire j'ai eu des cristals cœur, hein? Donc j'aurai peut-être les vérifier plus tard. Vous avez pas entendu parler d'une fille de Ménia qui a été récemment capturée par les Tardaniens? Qu'est-ce que vous voulez?
Oh, ce n'était peut-être pas une idée géniale de se lancer un soldat ardennais, en fait. Je voulais vous demander un renseignement, j'ai complètement oublié ce dont il était question. Les renseignements, et à l'œil, en plus délier votre bourse et aller voir l'informateur du coin. Figurez-vous qu'on ait une autre chose à faire que de valser Pupulo et de Pupulo Kokai. Ok. Eh, hey, j'ai même pas donné d'équipement à ma lame. Ouais, j'ai pas donné. Bon, du coup, je donne une critique. Je vais voir qu'est-ce que je peux avoir en réveillant des lames. Du coup, j'en ai 3. Donc, je crois que j'ai au moins en réveillé 2. Et en garder un pour venir avec. Ouais, je pourrais en réveiller avec d'autres. Ouais, mais. Pas fameux, contrairement à l'autre. Vu que l'autre est soin, et vu que Nian n'est plus là, ben, ce serait cool de garder un soin. Ah, ben, soigneur, mais. Moins d'étoiles, et l'autre, je vais garder pour Nian. Comme ça, on a tous des cristal cœur pour tout le monde. Voilà. Voilà. Place du moulin. Ok. Vous aurez pas entendu une fille d'Arménia, voilà. On sait rien, moi. Mais en ce moment, les grands parlent beaucoup d'un truc secret qu'on a l'air un peu compliqué. Apparemment, il y a des gens dangereux qui font des choses pas bien. Pourquoi ils font ça alors que ça fait seulement 10 ans que la guerre entre Nordin et Uraya est finie? C'est fatigant. J'espère que les soldats d'Arménia pourront nous protéger. Je crois que je peux appuyer sur un bouton pour changer la lame. Voilà, comme ça. Mais bon, je vais garder Pyra pour l'instant en premier. Mais je pourrais peut-être essayer d'entraîner l'autre. Attends, je vais mettre la carte. Comme ça sera peut-être plus facile de voir vraiment où sont les autres. Du coup, il y a les combats contre les pilotes, mais bon, c'est un petit peu dur ça. Bon. Ça, c'est la même question. Tu es parfum, pas aussi, mais information pas gratuite. Gratis, si Turinier commence à donner info à l'œil de ou pas joint. Du coup, on va devoir lui acheter le truc de rumeur. Voilà. Merci beaucoup. Fille grand-motoise enfermée dans Curacity Tank, clic, claque, poissonnière. Par contre, non prisonnière, pas encore connu, dossier au cours d'élaboration. Mais ces rumeurs racontent pas énorme carabistu, gros navire. Il veut se prendre fille Rikiki et rien d'autre. Remords-toi et empire, copain, co. Bon, en ce moment, alors, Bisbi, pas bienvenue, circuler, rien à voir. Donc, la majorité des gens du même avis. Thierry a dit tout, c'est pas plus robinet à patate fermée. Il est pas satisfait. Merci. Ok. On a payé finalement pour savoir qu'il est dans le cuirassé du titan. Ok. Je crois que c'est le sort de gros vaisseau, ça. Un peu. Les quêtes ordinaires, non, je vais pas les faire. Au pire, je peux essayer de les faire en caméra, mais. Je les ai jamais fait, en fait, les quêtes. Attends, il y a l'air d'avoir un des coins roses. Non, mais il est où? Attends, en tout cas, c'est sûr, c'est en ville. Bon, toi, je te parle pas parce que je veux pas faire la mission. Ah mais non, c'était ici en fait. Oh ouais, en plus c'était juste là. Comment j'ai fait pour pas le voir? Ouais. Franchement, j'en sais rien. Par contre, je peux vous renseigner sur l'information locale. Ça se trouve tout près du potager d'hélice. C'est un petit nopan de genre usé, c'est tout ce que c'est. Ouais, lui on l'a déjà parlé. Du coup, bah le nopan là qui en a dû acheter l'information. Je sais, il y a un endroit qu'on peut acheter un stacker héritier, par contre, je sais pas quelle sorte de lame ça donne. Ah, celle qui joue la guitare? Bonjour. Vous avez déjà un Toriganda? C'est un instrument de musique dont je joue. Je m'entraîne toute la nuit, mais ça ne suffit pas. Grand-Mato adore la musique. Si je veux en traiter un adulte, je dois devenir un musicien complet. Accompli. Ok. Théorie de malade, c'est elle qui fait la musique de Torigo, le. Voilà, ici on a un. Vous n'avez pas entendu parler, voilà, ni hop. Laisse tomber, on n'écoute plus rien. Chaque fois qu'une nouvelle lame naît, elle doit être enregistrée au Prétorium d'Indol. Ah, ça rend très intéressant. Je vais du coup, le type qui vient de se faire repérer pour devenir un pilote va devoir y aller tôt ou tard. Quand je serai grand, moi aussi je veux devenir un pilote et visiter Indol. Ok. Donc, du coup, je crois qu'il nous en reste 2. Ouais, j'ai des infos. La membre de Tornak et l'Empire fait prisonnier, apparemment, c'est une fille de Gormat, une certaine Nia.
Je me sens d'avoir déjà entendu ce nom quelque part, il y a une dizaine d'années, une noble déchesse. Non, j'ai rien dit, pas la peine de remuer le mauvais souvenir. Merci. Ok. Du coup, il y a un point de récupération, j'aimerais bien l'essayer. C'est peut-être celui-là qu'on va pouvoir avoir les trucs pour Dramarche. Ok, du coup, quel bouton? A. A. B. Ok. C'est bon, on a fait un perfect. Je commence à maîtriser là, les points de récupération. Ah bah ouais, le jour, il fallait juste que je plongeais pour que le jour arrive. Deux ennemis viennent spawn. Oh putain. C'est bon, sans faible au feu. Pyra va être bien. Oh, 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 calme-toi, calme-toi. Ah non, il y en a trois. Il y en avait eu trois. Non, putain, il en reste deux. Ah, lui, il est faible au vent. Quand je vais pouvoir switcher pour que Giro, je le ferai. Bon, au moins c'est une fête d'XP. Ah bah non, il n'y aura pas le temps de spawner. Voilà, il n'y a même pas le temps de... Bon, au pire, vous savez quoi, fuck that shit. Allez, je le change direct avant le combat. Allez. Allez. Ça fait du bien de changer parfois. Ouais, il est bien aussi, lui, que je le... En disant, ce serait mieux d'avoir des lames rares que pas rares. Ah bah non, je suis con. J'étais en train de dire, ouais, ce serait cool d'aller chercher des métaux pour peut-être trouver des trucs que pour, genre métaux, pour pouvoir améliorer Dramarche. Mais non, Dramarche n'est plus avec nous. C'est vrai, il a été capturé avec Nia. Désolé, moi c'est les plantes qui m'intéressent, la caméra c'est pas mon truc. Je rêve de devenir botaniste, mort ardent, mais mes parents arrêtent pas de dire que c'est trop dangereux. On va se réveiller là, ça fait plus de 10 ans que mort ardent et Ryan ne sont plus en conflit. Bon, c'est vrai qu'il y a ces bruits, la bande des tornades qui font un peu parler de ce temps-ci. De toute façon, si mort ardent veille au grain, il ne veut rien arriver, la preuve est en sécurité ici. Ok. Ah, du coup, il nous en manque un. Voilà, je vais au moins me mettre Pyra. Parce que moi je préfère me faire suivre par Pyra. Attends, mais du coup il est où? Voilà, on a encore. D'accord, ce serait plus par là. Mais on est d'accord, il est pas dans la carte. Je comprends pas, il est pas dans la carte. T'es en train de me dire, faut que je descende. Alors, on va faire quelque chose de risqué. D'accord, elle est quelque part par ici. T'es en train de me dire, c'est encore plus bas. Attends, what the fuck. T'es en train de me dire, alors... Bah non, elle peut pas être encore plus. Ah bah si. Attends, mais non. What the fuck. T'as rien pas le scanner là ou quoi? Oh d'accord, elle est là, d'accord. Ah ouais, ça me dit quelque chose. Il y a un type un art dernier qui disait qu'il allait exécuter le prisonnier dans le jour à venir. C'est pas du rigolo les gars de Tarna, hein. Il paraît qu'ils ont massacré des tas de pilotes juste pour faire main à base de leur Stalker. Vous croyez que l'Empire a vraiment réussi à capturer un sacré exploit? L'Empire exagère vraiment. Par contre, je me demande ce qu'ils entendent au juste par exécuter. J'ai jamais vu d'exécution, moi. Pas question que j'arrête ça, vous devriez venir ici. Merci. Ah, mais pourquoi? Pourquoi je devrais venir? Ouais, non, on a fini la quête au secours de Nia. Ok. Du coup, je crois qu'on... Ouais, on doit retourner à Maison de Tora. Normalement, on peut se téléporter, je crois. Ouais, Maison de Tora. On se téléporte là, comme ça. Pas besoin de rechercher la maison. Même si je crois que je pourrais quand même y arriver, mais... Ok.
under heavy guard. I guess we'll just have to mount a full-on attack. No, Rex, we can't put everyone in danger. Ah ouais, de toute façon, on est seul à pouvoir combattre. Mais pas donné. Personne ne va mourir dans ce... Après, moi, j'ai examiné beaucoup de fois et pourtant, je m'étais en danger. Ah, pourquoi j'ai Shanks sur l'œil? Ah, bah peut-être, je sais pas, dans mon sommeil, peut-être j'ai touché un petit cœur et bang. J'ai fait comme tort. Je pense que Stella s'appelle Weapon Knife, je crois. Pas que j'ai 60 000 gold, moi. Je dois avoir peut-être dans le 10 000. Ouais, parce que bon, c'est... Leave that to Tora. Well then, let's go again.
que bon, disons, ça, si sa lame marche pas, bah. Bon, qu'est-ce qui te manque pour terminer cette lame artificielle? Un lecteur parfait, trois camions ambiants. Ça me dit rien du tout. Détecteur parfait et soutenu pour dire et pas donner mes pièces vitales. Le connecteur bion. Ça sert à plein de choses, mais surtout à pas te perdre en béret. Et un ficelle, ça ne suffira pas. En pouvant nous procurer ces pièces, au bout de Krabarak et Margia. Juste à gauche, une fois passé, porte de Toigo. A certainement déjà dû passer devant. Bien, on y va. En tout cas, ce que je propose, je vais essayer de faire un petit peu la quête pour la lame artificielle hors caméra. Donc, en tout cas, j'espère que vous aimez la vidéo. Donc, du coup, si vous aimez la vidéo, c'est un pouce bleu, quand ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, c'est parfait, on se retrouve pour la prochaine vidéo, et bye!